Moi c'est Benoît, je suis actuellement en première année licence de sciences d'éducation à l'UCO de Brest. J'ai contacté le BIJ l'année dernière parce que en fait j'avais fait une première année de fac à l'UBO, mais j'avais fait un mauvais choix d'orientation et puis c'était pas ce que je voulais prendre initialement. En fait, initialement je voulais prendre sciences d'éducation et donc du coup au bout de 2 mois je me suis rendu compte et du coup je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'autre en attendant de reprendre sciences d'éducation l'année prochaine, puisque par la suite j'ai appris qu'il y avait aussi une licence sciences d'éducation, mais dans le privé, donc à l'UCO, c'est la petite école qui est Place Sancerre. C'est une antenne de l'UCO de Guingamp. J'avais entendu parler pas mal du service civique et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça, mais j'ai quand même préféré aller dans un organisme jeunesse. J'avais entendu parler du BIJ parce que je suis originaire de Guingamp et puis j'habitais pas loin du PIJ. Donc du coup, j'avais déjà été au PIJ. À l'époque, pour faire des lettres de motivation pour trouver du travail, puisque j'avais le BAFA en tant qu'animateur. Et voilà, du coup, je me suis dit, je vais passer au BIJ et puis je vais leur demander si ça tient la route, en fait, ce projet de faire service civique et ensuite reprendre après les études. Au début, j'avais eu Delphine et puis on avait regardé ensemble les démarches, puisque au début, je ne savais pas trop comment ça se passait. Je sais qu'il y avait un site internet, mais après pour l'émission, tout ça, comment ça se passait. Donc, du coup, on avait regardé ensemble et puis elle m'avait proposer son aide pour faire l'aide de motivation et aussi relire le CV. Et du coup, on a fait ça ensemble. Et puis, j'avais envoyé dans différents endroits sur Brest, du coup, puisque j'avais mon appartement, je n'avais pas envie de partir de Brest. J'ai envoyé différentes candidatures. Et au début, j'avais tenté une mission de service civique à la mission locale. Donc, on avait fait un entretien blanc avec Delphine et Karine. Ça s'était bien passé. Elle m'avait donné des conseils. Et du coup, j'avais passé mon entretien à la mission locale. C'était joué. D'ailleurs, j'avais eu une réponse un peu plus tard. Ça s'était joué à peu près avec une autre personne qui avait un projet plus en relation avec la mission locale que moi, puisque moi, c'était plus dans l'enseignement que je voulais faire. Du coup, il n'y avait pas eu de souci. Puis, j'avais été pris une semaine. En fait, j'avais passé un deuxième entretien après dans une association d'insertion. C'est l'atelier roulage qui dépend de l'Office des retraités de Brest, donc l'ORB. Et du coup, j'étais accepté dans cette mission. Je suis allé à l'entretien. Ça s'était super bien passé. Une semaine après être venu ici, j'avais trouvé mon service civique, donc ça a été fait hyper rapidement. Ils m'ont super bien aidé. D'ailleurs, j'ai appris plein de trucs puisqu'ils m'ont donné plein de conseils. C'est vrai qu'au début, quand je faisais mes lettres de motivation et tout, j'écrivais au fil de la plume, mais en mettant des longues phrases sans vraiment mettre de points et tout. Et j'ai appris du coup à être très synthétique et organisé dans mes lettres de motivation. Et même à l'oral, ça s'est ressenti puisque pendant mes entretiens à blanc aussi, je partais, je divaguais et tout, mais des fois, je changeais de sujet et tout. Et c'était un peu le bazar, mais là, j'arrive mieux quand même à structurer mes propos, mes dialogues. Et après, j'ai aussi demandé de l'aide au BIJ par rapport à l'Institut de l'engagement pour les après-services civiques. Je sais pas si vous avez. Et j'étais pris aussi. J'avais porté ma candidature et puis j'avais fait un entretien blanc au BIJ et ils ont aussi relu ma lettre de motif, mon dossier. Donc tout était nickel. Et puis l'entretien blanc, Delphine et Karine avaient dit qu'en un an, il y avait quand même eu du changement entre la première fois où j'étais venu pour l'entretien blanc du service civique et la deuxième fois où j'étais. Du coup, j'ai plein de projets pour plus tard. Donc mon projet un peu dans l'enseignement a un peu évolué. J'hésite encore à faire enseignant spécialisé puisque j'ai eu de l'expérience avec des enfants en situation de handicap ou dans la solidarité internationale, donc l'enseignement dans les ONG. Et du coup, avec l'Institut de l'engagement, je suis mis en contact avec une chargée d'accompagnement de Grenoble qui a travaillé dans la coopération internationale. Et du coup, elle me donne plein d'endroits à aller voir si je suis intéressé par ce domaine et tout. Quelles clés avoir pour structurer mon dossier par rapport à ce domaine. Et puis éventuellement, parce qu'il y a un master après à la Sorbonne qui m'intéresse. Master de sciences d'éducation et de coopération internationale. Et du coup, faire tout ça, en fait, ça crée des relations avec ce que je veux faire plus tard.